samedi 12 août 2023, jour tant attendu pour le ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire. Après plusieurs mois de préparation, l'heure du départ pour la 8e édition de Vacances en Christ a sonné. Les enfants accompagnés de leurs parents ainsi que les ministres ont convergé au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, lieu de rassemblement avant le grand départ pour Bonoua, ville située à 63 km d'Abidjan. Dans cette ville, précisément au groupe scolaire Emmanuel, que se tiendra l'édition 2023. Pour cette journée marquant l'ouverture solennelle, plus de 250 enfants et leurs ministres provenant de diverses communes et villes de la Côte d'Ivoire ont répondu à cette sainte convocation au pied du Seigneur. Les agneaux et leurs ministres, tels des intrépides soldats, ont bravé la fatigue de la 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui vient de s'achever il y a à peine 3 jours à Atikwa. Du 12 au 26 août, ils seront debout pour poursuivre le combat en vue du perfectionnement dans la connaissance des voies de Dieu, la ressemblance à Christ et ce, autour du thème « Être et demeurer, disciples de Jésus-Christ ». Connaissant les objectifs fixés par cet événement, qui sont entre autres faire des enfants de véritables enfants de Dieu, les amener à se convertir radicalement au Seigneur, les conduire à servir Dieu selon leurs dons et talents, les parents n'ont pas hésité à payer le prix, même à coup de sacrifice, pour permettre à leurs enfants de participer à ce grand événement qui aura de positifs impacts à long terme sur la vie de ceux-ci. Donc, quand ils vont dans ce temps-là, quand ils reviennent, là, il y a un réveil qu'on voit dans le monde. Un de mes objectifs. Bon, chaque fois qu'ils sont revenus des camps, en tout cas, ils ont... Tu retrouves d'autres enfants par rapport à quand ils partaient. Il y a des enfants qui sont animés de revenir à la prière, à la lecture de la Bible, des choses qu'ils avaient abandonnées, que des choses qui n'étaient plus une préoccupation pour eux quand ils reviennent des camps. Ils sentent qu'ils ont envie de faire ces choses-là. Et nous attendons à ce que nos enfants, étant déjà des disciples, demeurent, grandissent dans le Seigneur et que nos enfants soient des missionnaires, des évangiles dans les établissements et qui gagnent leur génération. Même son de cloche pour les ministres. Vacances en Christ, c'est un événement qui permet aux enfants de communier entre eux, qui permet aux enfants de pouvoir se connaître les enfants de telle zone, de telle commune et tout. Donc ça consolide l'amour fraternel. Impact positif qu'énumère avec fierté Christ Wakwaku et Dorcas Melon qui ont participé à plusieurs éditions. Avant, il n'arrivait pas à prier sur, il n'arrivait pas à lire la Bible. Pour lui, la Bible même, on le poursuit. Mais il a participé à quelques éditions d'Abou, à l'Épée, Jacques-Ville. On nous a appris à lire la Bible, à méditer, à prier sur. Si nous revenions tôt le matin pour faire des méditations, des lectures bibliques, ce qui m'a encouragé à me réveiller tôt après le camp pour lire ma Bible et autres. Également, nous avions eu des leçons concernant la virginité que nous devions préserver à tout prix pour le mariage, que ce soit un cadeau pour notre mari. Et ça m'a vraiment beaucoup appris et ça m'a donné une bonne raison de plus pour garder ma virginité, un bon message. C'est pour cela que cette année, j'ai décidé de venir. Notons que les enfants et leurs ministres sont arrivés sains et saufs, déjà installés dans les salles apprêtées pour la circonstance. Place est donnée à tous les ministères prévus à leur endroit au cours de ce programme axé pour cette édition 2023 sur le thème « Être et demeurer disciples de Jésus-Christ ». Programme qui se fermera le 26 août prochain.